J'essaie de me mettre de loin parce que mon acné c'est vraiment grave, du coup on voit que mon lit il est pas fait. Mais j'ai des paquets à ouvrir et genre j'ai pas envie d'attendre que ça aille mieux. Donc à défaut de me foutre la honte internationale sur internet, ça pourra rassurer certaines personnes qui ont toujours de l'acné après l'adolescence et qui se sentent seules. Non non, vous n'êtes pas seules, il y a moi aussi. Voilà. À mes souhaits. Alors c'est parti mon kiki, j'en ai un premier ici. Un micro, puisque comme vous pouvez le constater, putain elle est défoncée. La boîte elle est défoncée. Mais comme vous pouvez le constater, on n'entend rien du tout sur cette caméra, donc limite même le micro iPhone il était mieux. Mais bref, mon lit pas fait et tout. Oh. Et donc voilà, je me suis pris le truc le moins cher sur Amazon. Parce que bah j'ai pas d'argent. Donc je sais que celui-là va pas marcher, mais il était à 30€, donc... La suite c'est des livres, donc ce pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Donc on va déjà ouvrir celui-là. Oui! Success! Alors, voyez-vous quelque chose? Tada! Ah, il y en a un à l'envers. Donc je me suis commandé deux MXM Bookmark. Je vais les inspecter parce que souvent les MXM Bookmark... Celui-là il est nickel. Donc alléluia, merci Seigneur mon Dieu. Donc je me suis pris Clair Obscur de Lily M. Parce que je suis en ce moment même en train de lire un autre Lily M. Et j'adore trop. Et en plus les couvertures quoi. Enfin les couvertures MXM, il y a... Ça focus sur ma vieille tête. Mais les couvertures MXM, il n'y a rien à dire, franchement elles sont trop belles et c'est pour ça en fait que j'ai acheté des MXM, parce que j'avais trop envie d'en avoir. Elles sont mates et tout. Et celui-là, donc Rock de Anita Sunday, pareil la couverture. Et j'ai quand même lu un petit peu les résumés et les résumés me plaisaient, donc voilà. Juste laissez-moi, je vais l'inspecter. Il y a une petite des petites bosses là, je sais pas trop ce qui c'est. Arrête de focus sur ma tête. Stop focusing on my face. Là il y a des petites bosses, enfin bref, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça fait un effet de texture, dirons-nous. Grave maniaque des bouquins, mais vraiment. Mais sinon il est trop beau, voilà. Celui-ci donc c'est l'histoire d'un gamin que c'est quoi déjà, ah oui, ses parents sont divorcés et il va devoir aller vivre chez la meuf que son père s'est retrouvé, je crois, un truc comme ça. Et donc il va avoir un demi-frère ou je sais pas quoi, enfin c'est ces histoires de demi-frère et soeur là, comme d'hab, sauf que c'est pas demi-frère et soeur vu que c'est un MM. Donc c'est demi-frère et demi-frère et il appelle le fils de la nouvelle femme, il l'appelle face de poulpe, donc on adore l'humour. Et puis le Lily M c'est sur un garçon qui fait de la danse je crois et qui a toujours été amoureux d'un mec en fait, et qui va aller lui déclarer son amour ou un truc comme ça, et au moment où il va y aller il va faire un accident de voiture et donc il va l'empêcher de danser et de machin bidule, et le mec dont il est amoureux il va partir à l'armée. Quand il revient de l'armée l'autre qui a fait un accident il est grave bouleversé parce que l'autre il revient, c'est tout. Je sais, franchement mes résumés, mais on adore, surtout quand il y a des militaires, on adore. Donc du coup je me suis recommandé Mathias qui était dans un état non satisfaisant. Il est dans le même état. Disappointed. Bon tant pis, je vais garder celui-là parce qu'il est à peine en meilleur état que l'autre. Il y a toujours ce décalage sur la tranche, comme vous pouvez le constater. Et l'autre, il avait aussi des pages qui étaient arrachées au début. Il avait là qui était tout abîmé. Et puis à l'intérieur, les marges, enfin déjà il n'y a pas de marge, mais bon ça c'est normal, c'est dans le livre. Mais tout était un petit peu, l'écriture était un petit peu décalée. Donc voilà, celui-là est à peine mieux, donc je vais garder celui-là. Mais je pense que c'était un comment dire,
une mauvaise impression chez MXM qui a fait que ils sont tous décalés en fait. En parlant de ça, j'en suis à la page. Je vais regarder là-dessus. Alors ça, j'ai pas lu. Je suis en train de me spoiler. Ah oui, c'est vrai. J'ai arrêté hier soir parce que je pleurais. Donc j'en suis à la page 409. Donc j'en suis à la... Il me reste ça. Il y a eu certains trucs qui sont apparus, du drama pour rien en fait, je dirais, et ça m'a un peu agacée. Mais en même temps, je me dis que dans un livre de 650 pages, que sur de la romance, ça doit être trop dur genre de faire... Ça m'énerve ce truc décalé. Ça doit être trop dur de faire pour que l'histoire continue en fait. Enfin, sinon, il n'y a pas d'histoire quoi. Si on met pas de drama pour rien, il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, il y a des trucs qui sont... Enfin genre... des trucs qui m'énervent dans les bouquins, genre ah, on se quitte alors que les deux s'aiment, machin, bidule, et ils se quittent parce que... En fait, personne sait pourquoi. Il y a genre pas de raison. C'est genre soit un dieu quiproquo, genre ils se sont pas compris ou un truc comme ça. Ou soit ils se quittent et personne sait pourquoi. C'est genre... bah on se quitte parce que c'est comme ça, la fatalité, alors qu'on s'aime et on se quitte et toi t'es là, bah pourquoi, enfin il y a genre zéro raison et il s'explique pas et tout, il parle pas, enfin c'est insupportable, genre t'as envie de prendre un pour taper sur l'autre et dire mais causez-vous et puis arrêtez de faire de la merde là. Mais en même temps dans la romance en fait il y a que ça à faire pour faire du drama et pour faire durer un livre, donc je lui en veux pas trop on va dire, et je m'y attendais à ce que ça fasse quelque chose comme ça en fait, parce que voilà, dans les livres de romance c'est toujours comme ça, sinon ce serait genre fini en 3 pages et happily ever after, voilà, mais voilà, ce genre de drama qui sert à rien, franchement j'en peux plus. Le fait est que l'écriture est bien et addictive, donc même si voilà je suis genre grave énervée parce que les personnages me saoulent et qu'ils font grave du drama pour rien, j'ai quand même envie de lire la suite, et il y a quand même voilà, il se passe des choses avec les personnages secondaires qui m'ont fait chialer ma vie, donc donc voilà, je continue quand même et j'aime quand même si voilà, c'est toujours ces histoires de drama qui servent à rien et ça me fatigue. Voilà pour cet unboxing magnifique featuring My Bouton. Faut que j'arrête de faire ça vraiment. J'espère que le micro il a marché ce coup-ci parce que... Bonsoir, today is a bad day. What's new? The acne is still present. On adore. Et aussi, guettez. On dirait que je me suis fait piquer et que je vais devenir un Avengers. J'ai trop hâte d'être Spider-Man. Quel jour déjà? Je crois qu'on est le 15. Il est dans l'après-midi. Bonsoir. Si vous entendez la tondeuse derrière, c'est que mon père est en train de tondre. Ça se voit que j'ai une gueule de merde, oui. J'ai pleuré toute la nuit. What's new? Je devrais pas lire des trucs tristes parce que... Depression. Mais si vous êtes fragile, ne lisez pas ce genre de livre. En plus, c'est même pas triste. Enfin, c'est même pas si triste que ça en fait. C'est juste que c'est des choses qui m'ont rendu triste alors que genre il y a rien à voir. Genre hier, je disais à mon père, j'étais limite en train de pleurer sur le bouquin parce qu'ils étaient en train de manger du poulet rôti et des petites patates persillées et j'ai pleuré ma vie. Parce que j'avais trop faim, hein. Ça avait l'air trop bon. C'est pas si triste que ça, hein, franchement, mais forcément, il leur arrive des petites... contrariétés. Mais bref, c'est pour ça que j'ai une tête de scarabée. Bonsoir. Sinon, on est passé chez Action aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer mon butin magnifique. Et après, je vais continuer de lire... responsable de mon malheur, voilà, merci. Chez Action, et je me suis pris ces trucs là, vous êtes franchement ravis. C'est des semelles pour mettre dans mes chaussures parce que comme je cours et que je suis obèse, mes semelles elles sont devenues minuscules et elles me font trop mal et bref, on va tester de mettre des semelles et voilà. C'est magique, c'est magnifique. Ça, c'est un câble pour la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. D'ailleurs, j'ai acheté un micro exprès pour et il se branche pas à cette caméra. Donc, pouce en l'air, abonnez-vous. C'est magnifique. J'ai racheté des petites lumières comme ça, des petits bijoux choses. Parce que je voudrais déjà ranger mes bibliothèques parce que c'est tellement grave. En fait, c'est tellement n'importe quoi. J'en ai là, j'en ai... Là-bas, j'en ai partout. Des petites lumières comme ça, ma couleur préférée, bonsoir. Et voilà.
Et puis, si j'arrête de mettre mon doigt sur le micro, c'est mieux. Et puis, je me suis pris ce kit de bidule chose lettering là, parce que je voudrais voir si les pen brushes à l'intérieur, ils sont bien ou pas. Et il y a des petits trucs pour faire des petites cartes et des machins. Ici, j'ai envie de les accrocher dans ma bibliothèque ou je sais pas quoi. Voilà, je trouvais ça cool. C'était 3€. Enfin bref. Pouce en l'air, abonnez-vous. Cette bait. J'en suis à... Là. Donc il me reste ça. J'en suis au chapitre 27 de la partie 312. Donc j'en suis à la page... Focus, honey. Focus, come on, you can do it. Voilà. Beuglège. J'en suis à la page 515 sur 650. Et je pleure, ma race. Voilà. What's new? Et donc oui, j'ai bientôt fini. Et c'est pas triste, hein, mais je pleure. Donc bon, hier je vous disais que j'étais à peine énervée parce qu'il y avait genre du drama inutile. Certes, il y a un moment il y a eu du drama inutile, mais vraiment, genre ils sont séparés pour que dalle, mais que dalle, que dalle. Et là il y a du drama pour le coup, mais pas inutile, je sais pas parler, pas inutile. Et qui fait chialer sa mère et ils en bavent un peu les cocos là, donc je suis un peu dans le mal. Mais sinon c'est toujours aussi addictif, donc voilà. Que j'ai à dire là-dessus. Bye. Donc bonsoir, il est 2h du matin. Nous sommes le 17 mai maintenant, aujourd'hui. Et plus ça va, plus je filme de près et plus je suis flippante et moche, mais abonnez-vous. En fait, je voulais filmer ce clip parce que déjà je suis particulièrement moche, donc c'est un moment à graver dans les mémoires de tous. Et parce que justement j'ai du mal à filmer en ce moment parce que I'm ugly. Et j'ai trop du mal avec mon acné, ça se voit. Et donc j'ai du mal à sortir ma caméra hein, à cause de ça. Mais c'est pas que ça parce que l'acné voilà, en fait faut que je fasse avec. Et du coup j'ai décidé que même quand j'en avais, j'allais filmer tant pis en fait. Parce que sinon je me retiens trop de faire des trucs, enfin que ce soit sortir de chez moi, bon ça c'est autre chose avec l'anxiété et tout, mais aussi pour filmer quoi, si je dois pas filmer à chaque fois que j'ai de l'acné étant donné que j'en ai H24, je filmerai jamais en fait. J'ai réduit mon traitement en fait pour l'anxiété, donc pour ceux qui sont nouveaux, welcome, abonnez-vous, enfin vous êtes déjà abonnés, mais j'ai plein de trucs en fait. L'anxiété généralisée, anxiété sociale, donc ce qui fait que tous les rapports sociaux ont panique. et puis dépression, mais bon ça c'est génétique. Et parce que oui, la dépression c'est une maladie. Si vous n'êtes pas d'accord, désabonnez-vous. Donc j'étais sous traitement et le problème c'est que mon traitement il me fait dormir de fou. Et je dormais trop et donc j'ai décidé de le réduire de moitié. Mais sauf que maintenant, c'est la fête du slip. c'est vraiment la foire à la saucisse dans ma tête. Et donc là, comme je dis, il est 2h du matin, donc j'arrive pas à dormir. Mais oui, en ce moment, c'est période de moins bien et je me suis dit que j'allais filmer ce petit clip histoire de... La fille allait dire montrer quand ça va pas aussi, mais genre... À chaque fois que je filme, ça va pas. Montrer aussi quand ça va pas aux gens, genre entre ça et puis mes stories Instagram où je me plains. Je pense que les gens ont compris que j'étais chiante. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui ont des maladies comme ça, c'est pas contrôlable en fait. Ça arrive comme ça, hein. C'est un truc chimique dans le cerveau qui fait que comme j'ai baissé mon traitement et que je suis... J'ai cru qu'il y avait un bruit dans ma main. Oui, donc je disais, comme j'ai baissé mon traitement et etc, c'est balance chimique dans le cerveau, donc qui fait que je suis moins bien.
Donc sachez que si vous êtes dans ce cas-là, force sur vos cœurs. Parce que je sais que genre vous allez avoir des questions du genre « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que ça aille moins bien tout à coup ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme question con ?» il y en aura plein en fait, des remarques cons. Les gens attendent toujours un drama, un truc qui s'est passé ou quoi, alors que c'est chimique. In the cerveau, merci. En plus, la dame a décidé de faire un book buying ban, donc j'achète plus de bouquins pendant un mois, sauf que c'était ce qui me remontait le moral avant, donc je vais vous dire ce que j'ai envie d'acheter, ça va me faire aller mieux. Ah oui, j'ai envie d'acheter la saga Diversion chez MXM Bookmark, un truc de flic. We love Ty and Zane. Ah oui, il y a un bouquin qui est sorti chez Milan, que je sais même plus comment il s'appelle, Vacances ratées ou je sais plus quoi, enfin je vous mettrai les couvertures. Il y a un petit chien de la race de mon petit chien dessus, donc forcément je vais l'acheter. Oui, j'adore les chiens et c'est l'histoire d'une fille que soi-disant ses vacances sont ratées parce qu'elle va se retrouver promeneuse de chiens ou un truc comme ça, et après il va y avoir romance, donc je kiffe, merci. Je crois Sous le même ciel a l'air pas mal, et je crois que c'est tout ce que j'ai envie d'acheter. Ah bah oui, il y a Red, White and Royal Blue qui est sorti, que je ne peux pas m'acheter. Je me suis fait couper la chicasse parce que j'avais plus de batterie. Et oui, au niveau des lectures, j'ai fini Mathias aujourd'hui. Et comme je disais sur Instagram d'ailleurs, follow me parce que je fais plein de stories en ce moment. C'est devenu un petit peu longuet à la fin. Donc il y avait trop d'épilogues, trop de bonus, trop de trucs bidules. Et c'était un petit peu long. Puis là du coup j'ai enchaîné sur un autre Lily M qui est Clair Obscur. Et je suis à peine déçue parce que genre c'est pas... C'est pas comme Mathias en fait. Je crois que ce que j'avais envie c'était de relire des trucs comme Mathias et l'effet papillon. Là c'est à peine moins young adulte, et mais pour l'instant j'en suis qu'au début, donc je verrai bien. Et j'aime toujours autant sa plume, donc c'est cool. Et c'est tout au niveau lecturos. A plus in the bus. Donc c'est au tour du vlog. En ce moment je fais que de pas faire mon lit déjà. De faire des stories et après de répéter en vlog. Donc pour les gens qui regardent mes stories, ils vont regarder mon vlog et vont être là « Oui, mais ça je sais déjà. » Bref, là je m'apprête. En fait je procrastine et je m'apprête à monter une vidéo, mais je procrastine en vrai. Donc je disais sur mes stories que, en vrai, je mets toujours ce pull parce que j'ai froid, mais en dessous je change de t-shirt de temps en temps. La meuf qui est vraiment au plus bas. Et mes cheveux sont propres, c'est juste que je me les suis lavés hier et ils sont déjà gras, donc RT si c'est triste. Pourtant j'utilise bien des shampoings anti-gras, machin, truc, mais comme vous pouvez le voir sur ma peau, hein, ma peau est à tendance grasse, voire très 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 grasse. Et donc mes cheveux, hein, c'est la même chose, donc voilà. Et gaieté, une bague turquoise, quelle est ma couleur préférée? Le turc, bon j'ai assez dit. Hier j'ai commencé Clair Obscur, je sais même pas si je vous en ai parlé. Ce que je disais c'est que pour l'instant j'en suis à là. Et c'est pas la même chose que Mathias, c'est un peu moins young adulte. Et de part que les personnages sont plus âgés, sinon c'est toujours du Lily M. C'est toujours la même écriture, un petit peu poétique, un petit peu des trucs qui volent. Et assez addictive en fait, donc ça se lit vite, hein, ça se lit bien. Mais celui-là je l'aime un peu moins que le début de Mathias, et voilà, je suis un peu moins à fond dedans, mais ça se lit, ça passe. Et donc je comptais continuer, mais sauf que faut que je bosse les gars, donc faut que je monte une vidéo, et comme je mets 3 heures à monter une vidéo, bah c'est parti pour 3 heures de travail non rémunéré. Moi dans mon habitat naturel. Prêt à tout, force de crêpe.
Bye.